me verra. D'autres guerres charrient la mort violente. Moi qui regarde en paix mangeant des glaces. Ah, s'il y avait une chaîne de la douleur, je connaîtrais le degré de ma souffrance. Parce que la douleur de celui qui n'a rien se compare à celle de qui a tout perdu. Quelle est la douleur la plus forte du monde? Je crois que la douleur pourrait être revue. Car dans la revue, le malheur paraît pâle. Face à la douleur palpable qui palpite dans mon cœur. Y a tant de choses présentées comme nouvelles. L'essentiel en deviendrait le négligeable. Non pas que la mort soit en fait exotique ou trop lointaine pour être véritable, mais dans la confusion des sentiments, devant la fugitive princesse et son amant, on commence à croire au tremblement de terre, parce que la télé tend de l'étagère. Mais dans la confusion des sentiments, devant la futile princesse et son amant, on commence à croire au tremblement de terre, parce que la télé tombe de l'étagère.